Organisé par le Cercle Nautique du Ferré, le Trophée du Mimbo réunit chaque année les amateurs de voile traditionnelle. La régate a vu s'affronter des bacs à voile et canots mixtes, tous réunis dans la conche du Mimbo en fin de journée. Autour d'un vin d'honneur, on a aussi fêté l'anniversaire du Tjulbent. Rassemblement de voiliers traditionnels que nous organisons tous les ans, qui représente le lancement de notre saison, et nous recevons bacs à voile et canots mixtes. Aujourd'hui, nous avions 9 bateaux et qui se répartissent, certains en balade, d'autres en régate. Et nous faisons un classement à l'arrivée. Vision Tiki, canot mixte aujourd'hui, a gagné le classement général. Et dans les bacs à voile, l'eau Corbajo et les Gréement Marconi, un seul concurrent qui a brillamment défendu sa classe, Norwen, un requin bois magnifique. Alors nous avons rendu hommage à Tjulbent, dont nous fêtons les 10 ans de lancement aujourd'hui. Et j'ai retracé un petit peu le parcours de ce bateau et comment il nous a été confié en gestion par la municipalité après le décès de Michel Lescarré, qui l'avait fait construire et qui naviguait dessus.